Salut, salut. Ben aujourd'hui, je vous propose de parler remorque, parce qu'effectivement, je commence à en avoir pas mal. Donc c'est pour faire un petit retour d'expérience et pour vous aider dans les critères de choix, éventuellement. Donc là, il vient d'en passer 4, mais on va pas commencer par celle-là. Quand j'ai commencé à travailler le bois, c'est toujours le cas aujourd'hui, j'habitais en ville, j'avais juste un garage. Donc mon garage, j'avais transformé en atelier menuiserie, donc j'avais pas la place pour prendre une remorque. Mais cependant, j'en avais déjà une. C'était la remorque de mon kayak, qui n'est pas du tout une remorque bagagère, mais qui peut avoir des avantages. Donc je vous montre ce que ça donne sans les berres, sans le kayak dessus. En position transport, c'est-à-dire une fois le kayak et les berres, donc les plastiques qui permettent de reposer les coques du kayak enlevées, cette remorque s'avère très pratique parce qu'elle est longue et complètement réglable. Là, on s'aperçoit qu'on peut très bien avancer ou reculer. Pareil pour celui de derrière. Et elle est rallongeable aussi. Là, c'est un tube dans un tube. Donc, je peux la monter. Ça m'est arrivé de... quand j'avais attaqué ma Medladine de carrage, c'est des Douglas des 5-15 de 6 mètres que j'avais porté sur la remorque. Donc il faut faire attention, elle a tendance à balancer un peu hein, avec le porte-à-faux. Mais globalement, ça le fait bien. Par contre, attention, cette remorque, elle porte pas grand-chose. On est sur un poids vide de 100 kg et un PTAC de 320 kg. Donc on met près de 200-250 kg maxi sur la remorque. Donc ça limite le nombre de bois qu'on peut transporter. Donc cette remorque m'a bien été utile pour transporter des bastingues, des bois longs, des panneaux aussi. Hein, 2,50 m comme elle fait assez en largeur, c'est bien pratique. Mais maintenant, c'était que du dépannage, parce que dès qu'on avait une quantité de bois un peu importante, hein, ça passe rapidement les 200 kg. Donc dans ces cas-là, je me faisais livrer. J'empruntais pas de gros plateaux, de choses comme ça, parce qu'à l'époque, j'étais persuadé qu'il fallait un permis particulier. Et autrement, lorsqu'on est arrivé ici, on a continué sans remorque. Et on empruntait juste des remorques bagagères au moment où on en avait besoin. Mais le problème des remorques de l'emprunt, c'est que bien sûr, il faut l'anticiper, ça dépend des conditions météo, et le jour où on en a besoin, on n'en a pas besoin. Donc la première activité que j'avais à faire ici, c'était principalement évacuer les gravats, des végétaux. Donc la première remorque que j'ai achetée, je vais vous la montrer. La première remorque que j'ai achetée, pour une centaine d'euros, c'est celle-là. Donc c'est une remorque de motoculteur, remorque freinée, on voit la pédale avec le siège dessus. Mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a à la fois la tâche pour le motoculteur, et à la fois, dessous, il y a possibilité de fixer un attelage pour une voiture normale. Le problème de cette remorque, c'est un essieu de voiture, il est bien costaud, mais elle n'est pas suspendue. Donc elle tape énormément au transport. Maintenant, cette remorque, on s'en est utilisé pour transporter le motoculteur, pour transporter le broyeur, pour les cases d'acquisition qu'on avait au début. Mais rapidement, j'ai vu que pour les allers-retours à la déchetterie, pour les gravats, les choses comme ça, c'était pas possible. Donc c'est une remorque que je conserve. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de le mettre derrière le motoculteur. Donc peut-être pas derrière celui que j'ai actuellement, le staub qui me sert avec la débroussailleuse forestière, et avec la barre de coupe, parce que ça oblige à le retourner, etc. Ça fait tout un travail. Mais j'ai un autre vieux motoculteur que j'ai récupéré dans le hangar, que j'espère bien restaurer un jour pour l'atteler derrière. En attendant, elle a attelé derrière le petit tracteur, mais je reparlerai après. Donc cette remorque ne nous convenait pas pour tout ce qui était gravat. Donc j'en ai acheté une deuxième. La deuxième remorque que j'ai achetée, c'est celle-là, donc pour une centaine d'euros aussi. Donc elle est beaucoup plus petite, c'est une caisse entièrement en métal, montée sur un essieu de 2 chevaux. Donc elle a le petit inconvénient, c'est que la flèche est super haute. Il faudrait que je refasse, que je remonte la flèche au niveau soudure. Ce qui fait que quand je roule avec, elle a tendance à être comme ça quand je la porte. Mais là, comme j'ai que 10 km pour aller à la déchetterie, ça suffit largement.
Et l'avantage, c'est que je suis sur une caisse en métal qui ne craint rien, sur laquelle je peux mettre des broyeurs et tout, je suis sûr de ne pas l'abîmer. Et l'autre gros avantage, c'est que derrière, du coup, ben, comme je la porte comme ça, elle est super haute. Donc à la déchetterie, ça permet de la reculer directement au-dessus du bac. Hein. Donc il n'y a plus qu'à ouvrir la ridelle et après tirer les gravats qu'il y a dedans pour directement les verser dans le bac. Je la bascule pas, ça sert à rien. Et l'autre avantage, c'est qu'elle est super légère, donc il n'y a pas de super légère, non. Elle est lourde, mais facile à manipuler. Donc, j'hésite pas à la dételer pour faire une manœuvre ou autre chose. Et en plus, le fait qu'elle soit haute, ça permet de bien la voir dans la vitre arrière. Donc, pour les manœuvres en marche arrière, c'est bien pratique. Donc, cette remorque nous a permis de transporter de la terre sur le terrain aussi. Pour la ramener au début pour faire le talus en zone nord. Donc on l'accrochait derrière la voiture et on circulait dans le terrain avec la voiture. Le problème, c'est que ça fait rentrer la voiture, c'est pas top. Hein. Donc cet automne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans un petit tracteur. Donc c'est un ancien tracteur de tondeuse où la barre de coupe est HS, hein, donc il sert vraiment qu'en tracteur, et l'avantage c'est qu'il a une boule d'attelage derrière. Et ce tracteur, il était vendu, je sais plus, pour 300-400 euros, avec sa petite remorque. Et aujourd'hui, c'est principalement cette petite remorque et le tracteur que j'utilise pour sortir la terre, aller faire les talus, etc. L'avantage c'est que je tombe sur un volume qui est compatible avec le fait de décharger ou le nombre de pelletés que j'ai à faire. Ça permet de m'économiser, parce que quand on tombe sur un trop gros volume, après ça fait trop de travail à la pelle pour faire le talus, et ça a tendance à fatiguer. Et en plus, les enfants adorent se balader dans la remorque. Donc malgré ces trois remorques, je restais dépendant de près pour transporter le motoculteur sur de longues distances, par exemple pour l'amener en révision. J'avais pas la possibilité de pouvoir transporter la mini-pelle éventuellement, pareil, sur de courtes distances. Et pareil, j'étais obligé d'emprunter, comme je suis en train de vider mon appartement, par exemple, pour ramener tout le bois que j'avais dans l'atelier, les anciennes palettes, etc. Donc j'ai réfléchi à l'acquisition d'une remorque de taille plus conséquente et qui me permettrait de prendre. Donc à l'origine, j'ai un collègue qui voulait me revendre sa remorque de mètres, hein, de 500 kg, mais je me suis dit que c'était peut-être pas ce qui était le plus adapté pour moi. Donc à l'origine, je restais persuadé dans ma tête que pour avoir une remorque de plus de 750 kg, ou même de 750 kg, il fallait, en plus de la carte grise, le permis BE. Hein. En me renseignant, je me suis aperçu que c'était pas exactement ça, en définitive, le permis BE, que je ne peux pas passer parce que j'ai eu des problèmes de santé et par exemple mon permis poids lourd m'a été retiré, hein. Donc Oriane aurait pu le passer, mais moi je pouvais pas. Mais en me renseignant un peu plus, je me suis aperçu qu'il y a deux conditions pour le permis BE. Certes, c'est une remorque de 750 kg à 3,5 tonnes, mais il faut que le PTAC de la remorque puce de la voiture dépasse 4,250 tonnes. Donc ça laisse de la marge, donc là, première découverte, pas besoin de permis de BE pour une remorque de plus de 750 kg. Donc partant de là, je me suis dit, ben, je vais acheter une remorque de 2,50 m, d'une tonne 5, voire bâchée, comme ça me permettra effectivement de faire tous mes déménagements, de transporter la mini-pelle ou d'autres choses s'il y a besoin. Mais là, je me suis intéressé à une autre règle qui caractérise les remorques. C'est le véhicule qui limite aussi la taille de la remorque qu'on peut tracter. Donc au départ, j'avais peur pour mon attelage parce que c'était un simple col de cygne. Donc en me renseignant en garage, il m'a dit non, pas de problème. C'est calculé sur ce qu'on appelle le PTRA. Donc le PTRA, c'est quoi en définitive? C'est indiqué sur la carte grise, c'est la mention F3. Hein. Donc c'est le PTAC du véhicule, donc la mention F2 sur la carte grise, plus le PTAC de la remorque, hein, maximum.
Donc, si je prends mon monospace, par exemple, j'ai un PTRA de 3740, de 3,740 tonnes. J'ai un PTAC du véhicule qui est 2240. Donc, je tombe sur un poids maximum de remorque, hein, sur un PTAC maximum admissible pour ma remorque, tractable par ce véhicule, d'une tonne 5. Donc, je me dis pile poil, ça va. Mais j'ai également regardé sur le deuxième véhicule qu'on a, qui est une ZX. Et là, ça change. On est sur un PTAC d'une tonne 6, mais un PTRA qui fait que 2000, que 2 tonnes 6. Donc, du coup, on se retrouve avec un poids de remorque maximum tractable d'une tonne. Et là, je me suis dit, ça va poser souci. Donc, j'étais à la recherche d'une remorque d'une tonne, si possible simple essieu. Hein? Donc, j'ai commencé en neuf, j'ai tout de suite abandonné parce qu'il y en avait pour plus de 3000 euros. Donc, j'ai fait les annonces sur le bon coin. Donc, il y a un peu plus d'un mois, j'ai acheté cette remorque-là d'occasion. Donc, ça, c'est une remorque de 900 kilos. Donc, c'est pas la taille que je voulais. Basculante, même si elle n'est pas faite, donc freinée, c'est obligatoire pour toutes les remorques de 750 kilos et plus. Mais elle a l'avantage d'avoir un essieu, je ne sais pas si vous verrez, qui permet effectivement de supporter une tonne 3. Alors que la remorque elle-même, on voit bien que le PTAC est 900 kg, le poids vide est à 310 kg, donc la charge utile est de 590 kg. Donc 590 kg, ça ne suffit pas pour transporter ma mini-pelle. Mais je sais que l'essieu peut tenir jusqu'à une tonne 3, donc 400 kg de plus. Et là, ça me permet effectivement de transporter ma mini-pelle. Donc cette remorque, elle m'a coûté, oui, 10 fois plus cher que les autres. Donc je l'ai payé un peu cher, mais bon, le besoin fait la demande, hein, c'est ce dont j'avais besoin. Elle est assez vieille, elle est de 85, je crois. Mais bon, la qualité du galvas sera meilleure que si la remorque était plus récente. Et en plus, elle était fournie avec la rehausse grillagée, qui est bien utile quand on transporte des affaires. Ça évite que ça bascule de l'autre côté, ça évite de tout sangler. Donc la remorque grillagée s'en va. Le seul bémol que je mettrais, c'est que c'est un fond en contreplaqué. J'aurais préféré un fond métallique, mais là, je ferai avec. Donc là, vous avez un exemple de chargement de palettes, hein. Donc là, sur le côté, c'est des palettes de 2 mètres, hein, qu'on a récupérées. Donc cette remorque, je l'ai déjà chargée à 600 kilos 4 fois, parce que ben, quand on ramène du bois, des choses comme ça, hein, ça fait 2,53 m de longueur, donc c'est impeccable également pour porter des panneaux. On arrive vite, hein, au-dessus des 500 kilos de chargement, donc c'est bien utile. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est les pneus. Parce que les pneus, il faut des pneus renforcés pour pouvoir effectivement supporter les 1 tonne 3. Parce que si on prend des pneus classiques, on va être limité en dessous, on va être limité à moins d'une tonne. Donc voilà la remorque que je traîne depuis un mois, à peu près tous les week-ends, quand je reviens pour ramener des choses. L'autre solution, ça aurait été d'investir dans un fourgon. Mais je ne pouvais pas, je ne voulais pas, parce qu'au niveau entretien, ça coûte plus cher effectivement qu'une remorque. Donc c'est effectivement une question de budget. Maintenant, lorsqu'on a des grosses quantités, donc là c'est toutes les solives pour mon solivage, là ça fait 5,70 m de long. Vous avez presque 2 tonnes de bois en tout, hein, si on prend le Faltex qui est au bout. Donc l'autre possible, l'autre chose à laquelle il ne faut pas négliger, c'est les livraisons. Mais les livraisons, ça vaut le coup, parce que forcément ça a un coût, lorsque c'est comme ça, lorsqu'on commande effectivement une grosse quantité. L'avantage d'avoir à la fois ma remorque de kayak qui me permet de passer des longueurs jusqu'à 6 mètres, et la petite remorque pour des plaques ou des choses comme ça, c'est que ça nous permet d'être autonome si jamais il y a besoin d'un complément sur les livraisons. Hein, donc s'il y a 10 plaques à aller chercher d'OSB, hein, ou de placo, ou alors de bastingue, parce qu'effectivement on s'est loupé dans une coupe ou tout simplement dans ses calculs, on a effectivement la possibilité d'aller les chercher de manière autonome. Donc voilà, j'en resterai là pour mon retour d'expérience sur les remorques, l'éclaircissement sur les quelques petits points réglementaires que je remettrai en commentaire, hein. Ça concerne le permis BE et la limite
les limites imposées par le véhicule tracteur hein, concernant le choix de la remorque. Donc je n'ai pas pris une remorque bâchée pour la simple et bonne raison que bah, déjà j'en ai pas trouvé. Et en plus ça a trop de prise au vent dans ces tailles-là. Donc si c'est pour consommer 3 litres de plus, parce que je fais quand même des trajets de 200 bornes avec, hein, c'est pas la peine, ben, je prévois les créneaux météo, comme c'était le cas hier, j'avais des 2 lits à ramener, j'ai des choses comme ça, ben, j'ai attendu un samedi où il faisait beau. Donc là, c'est les bandes de Faltex, le bois, donc en bas, c'est des 225 par 75, ça c'est pour la partie principale de la maison, hein. Et au-dessus, c'est des 200 par 75, là, c'est pour la partie futur studio au-dessus de l'atelier. Et les dernières, les lattes, c'est les chevrons, ben les tasseaux. C'est les tasseaux sur lesquels, comme le solivage sera posé sur l'indier, c'est les tasseaux sur lesquels reposeront les solives. Donc avant ça, il faut que le maçon commence à travailler sur le pignon, et après ça sera le gros boulot de cet été. Hein, ça sera effectivement ce solivage et le début du travail à la chaux. Dernier point, avec les petites remorques dans le terrain, l'avantage du tracteur par rapport à un motoculteur, c'est qu'il est équipé d'un démarreur électrique. Donc on n'a pas le problème du lanceur, etc. Quand c'est des utilisations ponctuelles, c'est beaucoup plus souple. Par contre, ça tape bien, donc j'évite d'aller trop vite avec. Hein. Donc ben voilà pour cette vidéo sur les remorques, les critères de choix, mes choix à moi. Mon retour d'expérience, l'aspect réglementaire. Donc l'aspect réglementaire, je vous le rappellerai sous la vidéo, hein, dans les commentaires. En espérant que ça vous ait été utile et je vous dis à bientôt. Allez, kenavo !